Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Jack and Dexter 1. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur la plage parce que enfin j'ai compris comment taper ces pylônes par-dessous. Merci encore pour toutes vos astuces hein, parce que vous m'en donnez vraiment une tonne. J'espère que je vais pouvoir tout faire, tout réaliser. Enfin, on va voir. Déjà, on va s'occuper de ça, on va essayer de terminer la plage, même si bien une perle que je ne sais pas du tout où elle se trouve. Là, on va récupérer normalement la 7ème méca mouche cuit, tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, bah je sais pas. Certains d'entre vous me disent qu'il faut aller loin dans l'océan. Mais je me fais manger par les poissons quand je vais loin dans l'océan, donc je ne sais pas. Alors, enfin on va pouvoir péter ces trucs, donc il suffisait, entre guillemets, de s'accroupir et d'appuyer sur le carré. Sauf que bon, le jeu m'a jamais dit de faire ça, donc je sais pas, moi je ne devine pas les combinaisons de touches. Boum ! On peut encore un peu plus, voilà. Allez, plus haut. Parfait. Enfin. Pardon. Un petit peu fail, c'est pas comme si c'était souvent. Voilà, ok. Donc maintenant, est-ce que ça tombe? Non, ça va rester là-haut. Ok, on se rend tout là-haut. Ah, ces magnifiques plateformes. On se demande ce qu'elles foutent là à la base. Hein. Mais elles sont là. Pour faire tourner les trucs. Ça peut être pratique. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de venir ici? Hop. Parce qu'au final, il y a une, je sais à quoi elle sert, mais l'autre, c'est quoi cette plateforme? Elle sert à rien du tout, cette plateforme. À moins que... Là, il y a les vaisseaux Pikmin. Je peux monter genre là-dessus, peut-être? Non, je sais pas à quoi sert cette plateforme. Bon, celle-ci, on va l'utiliser, par contre. Hop, allez, grimpe. Allez, Jack, on y croit. Prends les œufs en chocolat, que vous n'aimez plus que je les appelle ça les œufs en chocolat, mais j'appellerai... Ah, j'ai glissé! J'appelle ça comme je veux! Hop là! Allez, vite. On va récupérer le dernier cuit-cuit, ça devrait me faire une pile. Et poum! Voilà! Parfait. Bon. Alors, il y a plein de puits là-bas, de trucs précurseurs avec l'écho bleu, mais bon. Tu as trouvé toutes les mécamouches de cette zone? Oui! Oui, monsieur! Mais bon, j'arrive pas à ramener de l'écho bleu sur le truc du bas, là. Qu'on voit en bas. Il est où? Il est là. Donc, c'est assez bizarre, je sais pas trop comment faire. Est-ce que je peux pas le faire tout de suite? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis juste mauvais? Parce qu'il y a de l'écho bleu là-bas, mais je suis pas assez rapide. Je ne sais pas. En tout cas, on va se rendre au village. Parce qu'on a déjà... Ah bah voilà. Je fais mal. Donc parce qu'on a déjà... 90, au moins 90 orbes précurseurs à rendre. On a aussi le rayon bleu à... Enfin, j'allais dire à rendre, mais bon. On l'a fait, et maintenant je pense que le gros moustachu va nous donner une pile pour ça. Ne pas dire perle. J'ai l'impression que je dis perle à chaque fois alors que je le dis jamais, et du coup quand je fais la réflexion, eh bien qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien je dis perle. Bravo moi. Bref. Hop là. J'aime bien me déplacer comme ça. Prends les petites étincelles, mon grand blond. Allez go. Hop. Oh là, arrête de sauter, c'est pénible. Ça me perturbe. Oh, il y en a une là. Oh. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec l'écho bleu dans le village, mais bon. Y'a quoi ici? Un arbre. D'accord. J'ai cru que c'était un escalier, tout va très bien. Alors, il est là, le gros moustachu? Oui, c'est lui. Hein. Hop, bonjour, monsieur. Quelle vision merveilleuse! Oh, grand merci! Mais de rien. Et tout le village va me remercier! Vous avez ramené l'énergie au village et assuré ma réélection! Ah bah voilà! Ça, mon garçon! Voici une pile d'énergie. Merci. Alors je crois qu'on peut lui donner aussi 80... Waouh. Bravo Dexter. Faisceau spatial. D'accord. Et je peux encore te donner des trucs ou pas? Voilà. Ah, vous avez l'intention de faire un don? Bien, il est conséquent, hein, j'espère. Wouhou! Oh oui! C'est un don conséquent, en effet! Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Et voilà, une petite double. Parfait. Bravo. Dexter l'attrapeur.
Tu devrais faire du... Comment ça s'appelle? Du Quidditch. Bref, alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres habitants? Là, le pêcheur, il est revenu ici ou pas? On peut prendre son bateau. Ouais, on devrait prendre son bateau, mais je pense pas qu'on va faire ça dans cet épisode. On va d'abord continuer. Toi, je t'ai déjà tout donné. Ouais. Là, du coup, dans le village, il reste quoi? Il reste les 7 mécamouches et, je pense, 2 habitants. Il y en a... Bah, je pense qu'il y en a un, en fait, c'est la fille qui nous a dit d'ouvrir les trucs, peut-être. Ça doit être ça. Parce que, bon, au final, il n'y a pas grand-chose d'autre, ici. Hein. À part les mécamouches. Je ne sais pas. Allons au port voir le bateau de Merukifu. Non, on ira plus tard, ça. On doit d'abord terminer la jungle. Enfin, du moins, avancer, parce que... Il y a peut-être d'autres trucs à faire dans la jungle que j'aimerais voir. Oui, monsieur, tout à fait. Comment on monte là-haut? Là, par là. Hop, monte, monte, monte. Alors, ici. On est encore marqué dans le village, je crois. Pardon, madame. Voilà. On est à 5. Là, par là, il y a quoi? Il y a des trucs chelous là-bas. Oh! Regarde un peu cette sculpture sur les rochers là-bas. Wouhou! On y va à la sculpture. On y va à la sculpture. Oui, oui, c'est nouveau. Une petite sculpture pour votre intérieur. Hop! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être un oracle précurseur dont le sage parlait toujours. J'espère pour eux qu'il n'était pas aussi laid. D'accord, en tout cas, il a 2 piles dans les yeux. Hein. Voilà ce qui m'intéresse. Qui réveille l'oracle? Attendez. L'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Bah d'accord. Du coup, il en faut 240 à ce méchant là? Ou c'est 120 pour les deux? Oh, du don, il s'emmerde pas. Je suis sûr que c'est un fake en plus. Apportez-moi 120 orbes précurseurs. Et je vous accorderai une pile d'énergie. Eh ben, il s'emmerde pas! Dis donc, l'oracle qui veut de l'argent, là. Enfin, de l'argent. J'en ai combien, là? Comment on fait déjà? Comment on fait? Montrez-moi l'interface magique! Non, pas comme ça. Enfin, oui, j'ai pu voir, mais. Lâche ça! Ok, 95, donc on en a pas encore assez. Du coup. Bah, du coup, voilà. Il y a les mécamouches et les trucs de l'oracle. 120. Ok, bah, au moins, on sait comment on fait. On va se rendre. Dans l'eau, c'est tout à fait ce que je voulais faire. On va se rendre dans la jungle pour voir si on peut compléter encore quelques petites piles par là-bas. Alors, par où c'était la jungle, s'il vous plaît? Fallait monter, je crois. Eh bien, montons. Faisons ça. Pourquoi on panique? Moi, je panique pas. Alors. Non, c'est le canyon, ça. Ah! C'est le canyon! C'est ça, hein? Ça me le dit pas. Oh! Ok, donc là-bas c'est le canyon, donc je pense pas que. Attendez. Canyon de feu, il y en a que 2. Je sais pas si on peut y aller tout de suite. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. Je crois que. C'est plutôt la fin. Donc, enfin, la fin de cette partie en tout cas, je pense. Vu qu'à la base on fait ça pour ça. Ah, voilà. J'avais pas vu ce petit trou dans la montagne. Hop. Hop. Surtout que ça sent bien le boss dans le canyon. Alors. Bonjour. Non, on est toujours marqué ici. D'ailleurs, je sais pas où est la dernière mécamouche du village. On cherchera peut-être en fin d'épisode. Alors, on est là. Mais non, mais on est toujours dans le village, là. Écoutez, vous êtes pénible. En plus, faut que je remonte. Je suis con, parce que je le sais. Je suis crétin. Allez, allez. Monte là-dessus. Hop, hop, hop. Pourquoi tu me nommes encore dans le village, là? Je suis dans la jungle. Ok, d'accord, en fait, c'est moi qui suis un peu con. Il suffit de faire ça, c'est pas grave. Alors, ici, on a trouvé l'interrupteur d'écho bleu, donc ça, c'est la quête de la fille, dont j'oublie toujours le nom. Bas les plantes d'écho noir et les mécamouches, et il y en a 2 qu'on n'a pas encore du tout découvertes. Mécamouche, il en manque plus qu'une, pardon. Bon, on va essayer de trouver ça. Alors, le pêcheur, je vais essayer de pas y retourner. Il doit être en dessous d'un pont. Hop là. On va se diriger un peu plus profondément dans la jungle. Parce qu'on n'est pas trop visité dans la direction. Oh là 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 là. Arrête de rire comme un malade.
Voilà, je crois que par là-bas on n'a pas trop visité. Même pas du tout, j'ai envie de vous dire. Alors, on va éviter de tomber. Hop. Doucement, doucement. Ok. Alors, te prends pas les gros trucs là. Oh là là, oh là là, évidemment, évidemment. Est-ce que je pourrais me régénérer? Je sens que je vais mourir. Ça donne pas des découvertes ça? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pois, 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 pois. Yeah! Alors, à quoi sert l'écho bleu là? Ah, là, il y a un truc. Wouah! Wouah, 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 la puissance! Dis donc, ça marche bien. Ça marche bien. Attends, je vais reprendre un peu d'écho. Est-ce que. Il n'y aurait pas un truc là? Il y a un truc là. Te fous pas de ma gueule, il y a un truc. Oh, je suis tombé. Attendez, il y a une mouche, il y a une mouche, il y a une mouche. Il y a une pile. Il y a plein de choses. Il y a plein d'orbes en bas. Venez les orbes. Venez les orbes, venez. Voilà. Et prends cette petite pile. Qui était, ma foi, fort bien cachée. Je crois que c'est ce qu'on m'avait dit, ça, de suivre la rivière. Je pense que c'est cette pile-là. Voyons voir. Suis le canyon jusqu'à la mer. Bon, je pense que c'était ça. Alors, on va reprendre une petite étincelle, là. Plusieurs. J'ai l'impression qu'on va pouvoir activer ça et aller tout là-haut. Hop. Parfait. D'accord, on est de retour ici. Ok, je suis pas perdu. Du coup, je peux retourner par ici. Je suis soigné, c'est très bien. Je vais reprendre de l'écho bleu parce que peut-être qu'on va ouvrir le temple. Ouais. Et normalement, il y a l'interrupteur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Doucement. Normalement, il y a l'interrupteur que la fille nous parlait. Et sûrement l'espèce de truc plante là. On va voir. Allez, rentre là-dedans. Il faut qu'on monte sur cette tour. On monte ici. Vite, 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 vite. Il me faut plus d'écho bleu en fait. Ah oh, bah c'est bon, il reste. Il y avait un trampoline aussi de l'autre côté, on va pas oublier. Ok, j'ai juste eu le temps d'activer la plaque. Ici, on prend ça. Hop. Merde, merde, merde. Oh, wow, 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 dégage le lapin. Oh, on a une jolie petite vue par ici. Hop. Monte, monte, monte. Ok, on va vraiment tout en haut, là, on est pas mal. On est pas mal. Oh non, non, pas de la plateforme, là. Oh là 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 là. Non, 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 non. Wouah, 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 c'est bon. Oui. Ok. Mouvement de croupion. Et nouvelle pile. Ça permet de faire quoi ça? On a activé les puits grâce à ce que disait la fille. Il me semblait que c'était ça. Là? Non, c'est les puits fermés ça justement. What is the fuck? Je croyais qu'il y avait un bouton moi. On est dans le temple là. Ok, je suis dans le temple. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, attends-moi la plateforme! Ah bah m'attends pas. Ah, d'accord, on est ici. Pas de soucis. Alors. Je peux faire ça aussi. Ça marche pas. Je voulais faire un super saut de la mort, mais. Non, non. On arrête les conneries, s'il vous plaît. Ça va qu'il n'y a pas de système de vie. Hein. Sinon, j'aurais des game over, moi je vous le dis. Alors, bon. Hop. Petit saut, petit saut, petit saut. C'est tout simple en fait. Hein. Mais bon, vu que j'ai pas l'habitude encore de. Oh, il y a plein d'orbes ici. J'ai pas encore l'habitude du personnage. Je fais le fifou là, je fais le fifou. Tout doux. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire de saut comme ça, il suffit de. Voilà, au lieu de faire le malin là. Oui, je me suis pris un mur. Ah, j'ai vu une. Ah bah voilà. Allez, allez, on arrête de faire le con, voilà, c'est tout simple. Alors il y a plein de trucs autour, je vais les prendre avant de. D'activer. On sait jamais. Je pense que je vais sortir par ici. No panique.
Non, panique! Pas de problème! Y'a pas de trésor de par ici? Non. Moi, je pensais que j'aurais eu un boss, mais non. Hop là! Est-ce qu'on active quelque chose du coup là? L'interrupteur, le fameux interrupteur du tube. Allez, dis-moi oui. Yeah! Voilà! D'ailleurs, ça devrait activer. Ok, bah voilà, bah du coup je vais pouvoir retourner à la plage. Ouais, plein d'or. Alors attendez. Où est le truc? Ok, il y a plein de puits maintenant. Malade. Espèce de malade. On va pas monter tout de suite. On va aller par dans cette direction. Oh là là, trop de vitesse, trop de vitesse. Aha. Il y avait bien un boss plante. Ok. Mauvais. Mauvaise réception. Ok, je sais pas pourquoi j'espère faire des trucs, mais ça marche jamais ce que je veux faire. Ok, c'est pas grave. Donc, on va se faire ce boss. Non, non, non. Hop là. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu la puissance? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu cette puissance? Alors, voyons voir comment ça marche. Dégage toi. Ok, non, pas dégage. Ça marche pas comme ça. Quand il a des pics, oh là, marche sur sa tête. Non, ça marche pas. Tiens, hop, voilà. Oh là 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 là, puis j'ai que 3 points de vie, je veux pas aller loin. Oh, il y a des fleurs. Ok, ok, ok. Je saute, je saute, je... Boum. Ok. Ok, donc le problème c'est que je vais mourir. Oh là là, il y en a deux maintenant. Oh là 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 là. Oh là là. Ok, je me suis fait manger par une plante. Et Dexter est encore en vie. Non, c'est bon. C'est bon, il est mort aussi. Ok, donc on a principe le compris. Donc on peut y aller. Ça, c'était rien, hein. C'était juste pour vous faire plaisir. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi les contrôles sont... Je sais pas. J'ai des soucis. Oh là là, doucement. On attend que la plateforme revienne. Voilà, et on saute. On attend que les pics de la pupus s'en aillent. Ne pas s'approcher de la gueule de la plante. Ok, mets tes fleurs là. Voilà. Hop. Boum. Et de 1. Je pense qu'il faut le taper 3 fois comme 99% des boss. Ou 8 fois si on est dans ce leak. C'est vous qui voyez. Ok, c'est bon. Mets tes fleurs. Voilà. À tes feuilles. Une petite dernière avec 3 puces. Venez mourir à mes pieds. Voilà, nickel. Vous avez eu ce PGM? Est-ce que vous avez vu? J'ai pas perdu un seul point de vie et je pense que c'est bon. Voilà, nickel, prends la pile. Ouh, eh ben on avance plutôt bien. C'est parfait. Parfait, on a un trophy. J'aime les trophies. Donc on a assez de perles d'ailleurs pour aller améliorer notre machin. Alors par contre, où je vais là? Oh! Ah, ça s'est refermé. Ah, d'accord, je comprends mieux. La dernière QQ est là-bas. On va aller retourner en arrière. Hop, parce qu'il y avait un trampoline qu'on avait raté. Il y avait aussi un autre endroit avec un jump juste avant la plante, en fait. Donc, faut pas qu'on les rate. Ça, je passe ça. Ok, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, mais c'est pas grave. Monte sur le pont d'Avignon. Ah, du coup, il n'y a plus les tentacules. On dit un tentacule! Ok, très bien. Je dirais un tentacule. Ah, je vous... Vous me faites rire. On n'a pas le droit à l'erreur avec vous. Ah, non, 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 non. Alors, attention. Là. Hop. Normalement, j'arrive. Voilà. Et puis! Non, et puis! Tada! Bon. Mouvement de croupion. On est à combien là? Ah bah voilà, on a fini la jungle. Si c'est pas beau. Donc maintenant, il me faut retourner à la plage. Maintenant que les puits d'écho bleu sont allumés, je vais pouvoir continuer, je pense. Attention aux poissons. Tu t'es fait... Ok, c'était peut-être pas très profond. Je dois l'avouer. C'était pas très profond pour sauter. Enfin bon.
C'est à cause de Ratchet & Clank, ça, parce qu'il n'y a pas de dégâts de chute de Ratchet & Clank. Du coup, bah voilà, je pense qu'il n'y en a pas non plus dans le jeu. Parce que je suis mauvais. Et puis c'est tout. Yatta! Non, non, pas le pêcheur des ténèbres. Courez! Courez! Cours, Jack. Cours, comme si ta vie en dépendait. Tu cours comme un crétin dans l'eau, tu le sais, ça? Tu le sais, ça? C'est un cul-de-sac, Jack. Jack, c'est un cul-de-sac. T'es pris au piège. T'es fait comme un rat. T'es mort. Adieu, Jack. Il va te bouffer, il va te dépecer, il va te vider comme un poisson, il va te vider les intestins, puis poum, il va te cuire. Cuire au beurre, et puis t'es mort, Jack, t'es mort, voilà, ça y est, t'es mort. Ok, alors, tout va bien. J'ai juste craqué psychologiquement. Je suis mort, Jack. Ah, j'ai pas eu de message de Dexter. Alors oui, je dis Dexter et pas Dexter. Même si c'est écrit avec un A. Parce que je suis un fou. Je suis un fou, je le dis à l'anglaise peut-être, je sais pas, je pense pas qu'en anglais ils disent Daxter, je sais rien. Alors, au pire, qu'est-ce qu'on en a tapé? Bonjour Brittany, comment ça va? Alors attendez, on va dire bonjour à Brittany. C'est marrant parce que c'est ouvert, tu vois, le... Ils peuvent sortir mais c'est bon. Alors Brittany, c'est pas toi, elle est là. Brittany, dis bonjour s'il te plaît. Brittany, dommage qu'il faille partager. Alors, c'est une roulade. Ok. Bien, vous avez assez de piles d'énergie pour alimenter mon bouclier thermique. Retrouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise, derrière la maison du fermier. Amenez les piles d'énergie et dépêchez-vous, mon père a vu de nouveau leurs cœurs. Je veux pas aller là-bas avant d'avoir terminé. D'ailleurs, il nous reste l'île truc. Alors, est-ce que... Ça, c'est une question, parce que je sais pas si on aura le temps de toute façon, mais... On verra. Est-ce que si je vais dans le canyon et que je continue avec Fifi là, est-ce que je peux revenir dans ces zones? Allez, tiens, déjà, la dernière truc. Voilà. Parce que si je peux pas revenir, il faut que je termine d'abord l'île en prenant le bateau du pêcheur. Dexter, Robo. Oh, encore des trophées. Je dois y en avoir beaucoup dans ce jeu. Voilà, donc si je peux revenir en arrière, on peut avancer sans problème. Sinon, je suis obligé de terminer tout avant. Pour ne rien oublier. Alors, je sais pas pourquoi je prends pas les cobs bleus, ça me permettra d'aller un chouïa plus vite, mais j'ai envie de faire mon malin, je vais pas les prendre. Alors, du coup, il devrait y avoir un puits justement à côté de nos fameux rondins que je savais pas taper. Aïe, encore une montagne dans la tête, ça fait un petit peu mal, c'est pénible. Voilà, donc là-bas il y a un puits, je le vois. Du coup, on a le côté vers le pélican à ouvrir. Et ensuite, on prendra la plateforme. Je pense qu'il y aura une pierre là. Il y aura une pierre là, toute là-haut, toi, tu vois. Je suis le truc, t'inquiète, il y a une pierre. Alors, je prends ça. Hop, je me dépêche. Vite. Juste pour quelques orbes, même si c'est pas primordial, mais bon. Quand même. Voilà, parfait. Hop, surtout que moi, je veux du 100%. Je veux toutes les orbes, enfin j'essaye. Alors maintenant on peut aller là. Oh yeah baby. Oh la vache. Plus de vitesse. J'adore. Casser ça? Non. Je voulais casser ça. C'est où que j'ai eu des... Je vois le mec avec sa bombe là. Viens là. Mec à bombe. Tu veux pas? Avec ça, je peux pas. Hein. Bon, bah tant pis, on va le laisser tranquille. Mais non, parce qu'il y a des. Il y a des orbes là-dedans. Il y a des orbes. Comment faire? Parce que le mec à bombe là, il me tape pas dessus d'ici. Merde, je suis bête. Bon, je pense qu'on va de toute façon. Allez, lui défoncer la gueule au type à bombe et qu'après je pourrais utiliser le canon, c'est pas impossible. Alors, on va. J'ai cru que c'était une pile là-bas, mais c'est une étoile. On le voit pas là. Moi, je crois que c'est une étoile, peu importe. Allez, on va tout en haut et on s'occupera des orbes après, si besoin. J'adore. Plus de hauteur, plus de vitesse, vas-y, dans le puits. Voilà. Et hop là. Maintenant on va sur la tour. Et hop là. Et on lui défonce sa petite gueule.
Ah bah voilà, ok. Tout aussi simple. Il est où le deuxième? Là. Alors. Je vais utiliser le canon, je suis sûr que je peux. Utiliser. Ok, je veux casser. Prends ça, prends ça. Plus haut, plus haut. Ok. Hop. Plus haut. Plus haut. Oh là là, ça va pas aller jusque là-bas? Mais comment je fais du coup? Attends, on va aller tout en haut, voir ce que ça donne, mais normalement c'est pas d'une logique. Hein. Non, non, c'est comme ça. Regardez, regardez ce spam. Il y en a bien une qui va passer. Non? Mais comment je fais du coup? Comment c'est possible? Ça se charge. Oui, ça se charge. Ok. Moins de puissance. Ah ah ah! C'est bon! Parfait. Prends la pile. Nickel. Donc, ça, on a terminé la plage. C'est nickel. Ok. Alors, est-ce que j'arrive à rejoindre le truc là-bas? Oh là, non, non, mais fais la roulade avant. Fais la roulade avant. Jack, Jack, la roulade! Yes! Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Petite précision. Est-ce que je peux voir? Ah, le problème c'est que là, il y a un orbe ou une orbe, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il en manque un. Il va m'en manquer un. Ça c'est moche, parce que je sais pas où il est. J'ai cru qu'on avait tout là. Je crois qu'il n'y en a que 5 là-haut. Hein. J'ai peut-être mal compté, mais je crois qu'il n'y en a que 5. On va voir. Hop là. Ah non, 6. 6, 6, 6. Je crois qu'il n'y en avait que 3 là-bas. Ok, bah c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Hop. Et les deux petites dernières. Et voilà. Parfait. Attention, non, 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 non. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Sinon, tu vas te cracher. Ok, c'est bon. Ok. Donc, on a terminé la plage. On a terminé... Bah, le village, vite fait, quoi, parce qu'on peut récupérer une pile à la limite, mais pas la deuxième. Et ça. Ça qui était le rocher du geyser. Ah, donc c'est pas ça du tout que je voulais vous montrer. La jungle interdite. Ok, donc maintenant, on va pouvoir. Lâche ça. On va pouvoir se rendre, du coup, sur l'île dont j'ai oublié le nom. Hop. Avec le bateau du pêcheur, avant d'aller dans le canyon, parce que. Alors, je sais pas, hein, ça, de toute façon, vu que j'ai commencé par l'île. Parce qu'on avait une quête avec une histoire de muse, je sais pas quoi. Dites-moi si je peux continuer dans le canyon sans risque ou pas. Ou s'il faut que je termine d'abord l'île. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Apportez vite les piles d'énergie. J'attendrai à l'entrée du canyon de feu. Mais tu me l'as déjà dit ça ! Derrière la maison du fermier. Mais tu radotes ! Tu radotes ! Mauvaise fille. Alors, le bateau. Le bateau, le bateau, le bateau. Il est là. Hop, hop. Allez, doucement. Voilà. Utilisé. Nous voilà partis. Alors, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée d'aller là-bas, parce que ça a l'air d'être une zone assez dangereuse. Mais bon. Prenons des risques. Ok, c'est pas très très accueillant. Hein. Île de la brume. Combien il y a de perles ici? Il y en a déjà une là-haut sur le truc. Attrape la muse du sculpteur. Combien il y a de... d'orbes? 150. Bon, il y a pas mal de trucs. On va essayer de tout faire. On va essayer. Déjà, il y en a un qui est là-haut. Je sais pas trop comment y aller. Cet endroit me donne la chair de poule. Et crois-moi, c'est une sacrée expérience quand tu es recouvert de poils. Ah bah oui. Ok. On va partir par là. Il y a des orbes. Saute et plonge sur la balançoire. D'accord. Oh! Oh! Ok. Ok, intéressant. Intéressant, tu arrives à soulever des cailloux, tu es très fort. Prends ça. Voilà. Hop. Voilà. Je vais aller là-bas parce qu'il y avait une pile. On va éviter de tomber. Oh là. Des... Ne tombe pas, oh là, dans la brume en dessous. D'accord, pas dans la boue, pas dans la boue.
Pas dans la boue, pas dans la boue. Ah bah il me faut de l'écho bleu. Il me faut de l'écho bleu pour passer. Oui, ok. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Hey! C'est quoi ça? L'écho rouge rend tes attaques plus puissantes. Ben voilà qui est intéressant. J'en veux bien encore. Yes. Vas-y. Un commentaire. Ouais, j'aime mieux ça, pas de commentaire. Vous avez vu, il y a plein de petites ellipses. Si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des mini-ellipses. Et je vous dirai pas pourquoi. Si je peux vous dire pourquoi. C'est juste que la dernière fois que j'ai enregistré, le son et l'image n'étaient pas raccord. Du coup, je fais des petits tests en même temps. Mais vous ne devriez même pas le voir, donc je sais pas pourquoi je vous l'ai dit. C'est juste pour... Voilà, vous avez les secrets du tournage en direct. Youhou! Alors, on va essayer de rechoper ça. Je pense pas que je puisse le tuer, lui. Il y a un bout d'écho bleu là-bas. Ah! Hop! Alors. Le problème, c'est qu'il va refaire des petits sauts que j'aime pas trop, là. Je veux pas de commentaires. Ok, on n'est pas mort. C'est tout ce que... On n'est pas mort, mais je crois que ça n'a pas tardé. Ah non, on peut monter, là. Ok, on reprend ça. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette île, là? C'est pas eu... C'est de l'eau, normalement, ça. C'est pas dangereux. Hello! Ok, alors on a bien besoin de l'écho pour le one-shot, sinon, pas possible. Bon, on va y aller plus doucement, hein, avec moins de stress. Hop là, esquive. Le problème, c'est moi, c'est les sauts. Mais saute là-dessus, nom de Dieu! Arrête de glisser, ce sont des os, ça glisse pas. Hop! Voilà! Allez! Plus d'écho. Lui là aussi. Voilà, maintenant, tu sautes correctement. Et tu one-shot tout ce qui passe! Tiens! J'en étais sûr. Ok, je vais pouvoir entrer là-dedans grâce à ça. Fais attention! Tu te souviens de ce qui s'est passé ici la dernière fois? Ouh, ça a l'air dangereux dans le coin. C'est une embuscade, Jack! C'est une embuscade! Ouais, mais c'était Spotted, hein. Mais c'est pas grave. Regarde. Lapin. 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 Pas cassé ça, hein. Rappelez-moi, oui. Allez, allez, arrêtez. Tu parles d'une embuscade. Aïe! Oh, oh, oh! Est-ce que je peux casser avec ça? Non. Vérifie, hein. Ah! Attention à ta vie, Jack! Dégage! Il nous faut de l'écho rouge. Oh là là, il y a beaucoup de lapins quand même. Hein. Il y a des bombes. Est-ce que tu peux cracher tes bombes sur les trucs? Ça pourrait être utile. Viens par là. Crache ta bombe là-bas. La caméra est un petit peu capricieuse. Non, j'ai l'impression qu'il lance les bombes uniquement au centre. Ah, on y est presque, on y est presque. Ah, il y a de l'écho là. Ah, je vois rien du tout! Je veux pas perdre! Je veux pas perdre! Oh là là, oh là là! Il va rester le gros. Ok, il y avait de l'écho. Ah non, l'écho a disparu! Oh non! Oh non, je vais devoir me retaper toute l'embuscade. C'est ça, fais ton malin, toi. Qui fait le malin tombe du sapin. Alors. C'est une embuscade! Ah, il leur dit pas. Alors, toi, c'est quoi ton problème? Tiens, tiens, rien à foutre, rien à foutre que tu sois puissant! Allez, viens! Hop, hop, hop! Allez, faites pas vos malines, les bêtes! Tu fais la maline, tombe de la colline! Allez, boum! Rien à foutre, rien à foutre! Oh, il y en a un deuxième! Ça, c'est un peu dégueu. Ça, c'est dégueulasse parce que j'ai fait exprès de me tuer pour choper le truc. Oh là là, oh là là. Ok, il en reste. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ça va, les lapins. C'est bon. Ok, on a gagné un escalier. Waouh. Ça va, fais pas le fou. Donc on va aller casser la gueule au mec
du canon. Comme ça, je pourrais utiliser son canon. Cet endroit me fiche la trouille. Essaie de ne pas tomber là-dedans, d'accord? D'accord. Bon, déjà, je vais essayer de... Voilà. Ne tombe pas là-dedans. Je pense que c'est one shot. Il est où le type au canon? Il est où? Il y a une pile, d'accord, mais... Bon, on va voir. On va ramasser ça. Hop! Parfait! C'est dans la poche. Gladiator Jack. Ne tombe pas dedans, ne tombe pas dedans. Le mec au canon. Au pire, j'ai bien envie de tomber dedans. Ah ah ah! Bon, ça one shot. Ah! J'ai quand même eu un trophée en faisant ça. Est-ce que je me retape le... Non. Le mec au canon. Il est où? Elle est tout là-haut. Je peux pas y aller par là. Non, bon, c'est une autre route. Ok, ce sera une autre route. Je peux pas repasser. On reviendra. Pas de soucis. Bonjour les gars, je vous fais passer. Aïe. Non, 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 Jack, 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 Jack. Oh là 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 là. Je veux juste que t'ailles de l'autre côté. Voilà. Brave petit. Tu écoutes bien toi. Oh là là. Mais je suis nul en saut, c'est pas possible. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Alors, il y avait de l'écho bleu ici, hein. Hop là. C'est pas exactement la route qu'il faut prendre, mais ça marche aussi. Ah non ! Fais-moi plaisir, évite ces boîtes d'écho noir. Oui, oui, d'accord. Mais c'est juste moi qui suis un peu crétin. Y'a quoi là-bas ? Pourquoi y'a toi là ? Bon, je sais pas. Alors, il y avait un truc à activer avec de l'écho bleu, mais est-ce que j'ai le temps ? Déjà, on va nettoyer. Faut que je prenne en plus celle du haut là. Ok, ça suffira. Est-ce que je peux te tuer toi? Je sais pas, hein. Je ne sais pas. Ok, est-ce que je saute assez haut là? Yeah. Déjà, casse ce truc. Voilà. Alors, on va prendre ça. Ça. Celle-ci. Voilà. Et normalement, là, on en a assez quand même pour activer cette plateforme. Oh mon dieu, cette frayeur. Non, 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 fais pas le con, fais pas le con. Ok. Ah, oh, je vous jure. Ok. Est-ce qu'on a d'autres... Non, pas de nouvelles de la muse. J'ai pas encore eu de piou-piou. Comment faire? Bah, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais me remettre sur la plage. Comme ça, on va pouvoir explorer cette zone dans l'épisode suivant. Hop, on a eu beaucoup, beaucoup de piles du coup dans cet épisode. Je vais me mettre sur la plage, voilà. N'hésitez pas à me dire si je suis obligé de tout terminer avant de partir, sinon je ne pourrai plus le refaire. Si vous avez des astuces pour, eh bien, cette zone. Même si pour l'instant on s'en sort, même si je suis un peu mauvais en jump, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour, du coup, explorer cette zone et se rendre sans doute au canyon de feu. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.